Salut à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique. Et bienvenue dans ce 7e épisode de notre aventure sur Darksiders. Et on continue tout de suite. Pardon. On continue tout de suite l'espèce d'énigme qu'on était en train de réaliser. On a complété une statue sur trois. Avec cette délicieuse épée qui est devenue rouge et qui était bleue à la base, tout le monde s'en fout. Bref, c'est pas grave, c'est par ici la suite. Allez go, un plaisir chers amis donc de vous retrouver sur ce 7e épisode. Moi je tourne ça le lendemain du 6e épisode. Et on voit une relique juste ici, intéressant. Ok. Ok, donc va falloir à tout prix que je stoppe cette coulée de lave, tout le monde l'aura compris. C'était quoi ça? La porte. Oh, il y a un truc là. Je libère ce mécanisme. Je regarde juste, je pourrais l'atteindre. Le truc, c'est de savoir comment est-ce que je fais pour remonter. À part me suicider, je vois pas grand chose d'autre. C'est pas grave. On va aller par là. On ira la choper après, c'est pas bien grave. Ok. Enculé de ta mère! Pourquoi il s'est pas accroché? Ah, fallait sauter vers le bas, d'accord. Pas comme ça. Non, il veut pas. Le problème, c'est que si je lâche... Non, mais voilà, si je lâche, il tombe, en fait. Je comprends pas. Ah, ou faut peut-être que je reste appuyé, en fait. Ah non. Ah, quand il a décidé de me faire chier, il a décidé de me faire chier celui-là. Je comprends pas pourquoi il fait pas là. Je perds toute ma vie avec ces conneries. Quand je lâche là. Tac. D'accord, en fait c'est quand il a envie quoi. Bon, c'est pas grave. L'important c'est qu'on y soit arrivé. Donc là on a le bidule chouette pour faire péter le machin chose. Le problème. C'est que je peux rien faire avec ça. Ah mais il est pas allumé celui-là. Voilà. Bombe tumeur inerte. Lancez cette bombe gluante inactive sur des objets ou des ennemis. Utilisez du feu pour l'activer. Sauf que je peux pas remonter avec. Fuck. Ah mais j'avais pas vu que je pouvais l'atteindre d'ici. Voilà. On va remonter. Voilà. Du coup maintenant faut que je trouve un moyen de l'enflammer. Juste en le balançant dans la lave, je suppose. Ça devrait fonctionner. Ah non, il y a une torche là. Eh ben. Oui, j'ai failli tomber dans le vide. Vous l'avez tous vu. Mais par contre je comprends pas comment je remonte si je vais choper celle-là. Ah, j'ai compris. Enfin celle-là, je parlais de l'artefact. Hop là. Et un artefact soldat. Ça m'en fait déjà 3 à lui refiler, l'autre abruti là. À ce cher Vulgrim. Ça va nous faire pas mal d'âmes en stock, ça fait plaisir. Je vais pouvoir aller choper quelques combos en plus. Parce que c'est ça qui est bon. Il n'y en avait pas un deuxième à détruire dans le même style. Il y aurait non. Et la musique qui se décide à nous joindre. Enfin à nous rejoindre. Parce qu'à nous joindre ça veut rien dire. Bah si, il y en avait un deuxième qui est là-haut. Sauf que je peux pas l'atteindre d'en bas.
Voilà, qu'elle demande. Par contre, celle-là, elle est déjà active. Ah merde, ça reste pas... Ça tourne sans arrêt ou c'est... non. Est-ce que ça se... Est-ce que ça retourne? Ouais, ok. Ça tourne sans arrêt. Ça n'a pas marché. Et si j'en place plusieurs? Je sais pas combien je peux en passer en placer en fait. Donc, on va tester avec 3. Non. Annule ça. Voilà. Tout simplement. Ouais mais alors attends, faut déjà que je libère le bordel. Je vais essayer de voir ce que ça fait déjà. Ok. J'imagine que le deuxième mécanisme qui est juste en face va libérer une deuxième statue comme ça. Ah bonjour mesdemoiselles. Voilà. Et tu crèves, saloperie. Putain, je suis trop loin là. Je suis trop loin. Il va falloir que j'attende que la plateforme tourne encore une fois. Voilà. Ok, c'était ça. J'imagine qu'il y a d'autres saloperies qui vont respawn. Non? Ah! Mais ce qui me semblait! D'autres volontaires? Non. Tellement classe. Un délicieux coffre, deux délicieux coffres remplis d'âmes. C'est ça qui est bon. Bien, bon, ben on progresse, ça fait plaisir. On va aller placer cette deuxième épée et on va aller chercher la troisième. Comme ça, on aura complété cette petite énigme de merde. Je vais faire croire que c'est l'une des plus compliquées, hein. Chouing. Et voilà. Est-ce que j'ai besoin? Non, j'ai pas besoin de santé pour le moment. Ça attendra. Le coffre, il attendra vraiment en cas de grosse nécessité. Ouh. Ah bah bravo. Ça m'aurait étonné. Utiliser un peu la faux histoire de gagner des niveaux. Merci. Donne-moi le coffre. Je m'en fous de ta porte. Ah voilà.
Bah, quoi que tu me diras, le coffre comme ça, à mon avis, ça va être pour la clé. Voilà. Donc, du coup, rien de bien intéressant. Enfin, si, ça me permet juste de continuer l'aventure. Et un éclat de coup, ça fait plaisir. Est-ce que cette statue se casse? Elle se cassait, mais elle m'a pas donné grand chose de... d'extrêmement... je trouve pas mes mots, c'est pas grave. Trois âmes, trois malheureuses âmes. Bref, du coup, ça m'a ouvert la porte qui est là. Ah bah oui, non mais je viens de prendre la clé en fait. J'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que j'étais venu ici. Du coup, faut que je retourne. C'était de quel côté la porte? C'était là-bas, non? Il me semble que c'était là. C'était pas là. C'était pas là. Donc c'était en face. Bon, je voudrais bien arriver jusqu'à Tiamat pour pouvoir lui péter la gueule, récupérer son cœur encore chaud, et aller le filer à... Est-ce qu'il me semblait qu'il y avait un connard là-bas? Comment il s'appelle déjà ce bâtard? Samael. Ah merde! Je l'ai vu! Non mais je l'ai vu en plus! J'ai vu qu'il y avait un trou! Moi j'ai sauté dedans comme un connard. T'inquiète pas, j'arrive, mon grand. C'est moi que tu cherchais. Pardon. Voilà, c'était là-haut. Ah, mais c'est qu'il y a du monde pour m'accueillir, les longues. Voilà. Sésame, ouvre-toi. Bien le bonjour, mesdemoiselles. Bim, bim, bim et bim. Crac. Tellement puissant, Shuriken. Ce Shuriken. Loupé. Tu bouffes. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Tac, alors. Je vois une porte juste en face. Là-bas, il y a une plateforme de combat. Ça ne va pas servir à grand chose d'autre. Ça comme si je l'avais pas vu. Ok. Donc ça ne m'aide absolument en rien. Faut que j'aille en activer d'autres, j'imagine. Ah putain, je me rappelle de cette pièce. Voilà. Le joli. Semble me souvenir que j'en avais chié comme un pourri. Ah voilà, c'était pour ça. Il est juste casse-couille au possible, ce connard. Pars-toi de là. Faut pas que je m'enferme là-dedans, parce que là, je vais jamais en ressortir. En tout cas, pas vivant. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il doit y avoir un moyen de fracturer tous les points charnus de ce sac de viande d'un coup.
pourquoi je peux pas la taper. Ta gueule. Ah mais j'avais pas vu, putain. Ah voilà, je suis un abruti. Calme-toi. Calme-toi, mon grand. Calme-toi, l'ami. La batterie de la manette 1 est faible, mais bien sûr. Il va taper. Allez, déglingue, 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 déglingue. Il va s'énerver, il va s'énerver, il va s'énerver. Non mais je le connais le mec, il s'énerve pour rien aussi là. Regarde-le, il tape dans tous les sens, là ça veut rien dire. Voilà, il s'est calmé. Eh bien, tu vois quand tu veux. Crac. Wouah, c'est pas passé loin de mes couilles ça. Là, il y a un coffre de santé, ok. C'est bon à savoir. Je vais déjà niquer ces deux tocards avant qu'ils continuent à m'emmerder. Allez, 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 allez. Crac. Mon dieu, oh mon dieu. Calme-toi, tête de bite. Mais d'où il me touche, le gars, ça. N'importe quoi. C'est pas lui que je voudrais viser. Bon, par exemple. Je préfère m'occuper de ces tocards avant parce que sinon ça va être le bordel. Merde, j'avais pas vu qu'il s'était relevé. Déglingue-le! Voilà. Et viens, viens, viens mon petit, viens. Oh, ce que tu t'es pris dans la face. C'est ça qui est bon. Et la porte s'ouvre. Très bien. Bon, ça va, en fait, c'était moins compliqué que... Moins compliqué que dans mes souvenirs. Il n'y a rien d'autre ici à choper. Je vois une petite porte par là-bas. Inaccessible. Ok, très bien. Allez, grimpe, bébiche, grimpe. Ça pue le spawn de mobs, ça. Oh oui, vu à la vitesse où ça va. Non. Aurais-je été mauvaise langue? J'ai été complètement et carrément mauvaise langue. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, on a un machin, ok. Par contre, il y a du feu nulle part, là. Si, ça s'est allumé, ça. Ah, mais ça a allumé ici aussi. Bon, attends, je vais déjà allumer toutes les torches. On sait jamais. Voilà. Je sais, au moins toutes les torches, je vais allumer celle-ci aussi. Ça peut toujours servir. Pourquoi je peux pas la viser ?
une là-bas. Qui est beaucoup trop loin. Ok, c'est pas grave. Voilà, maintenant je pète tout ça. Ah, mais c'est qu'il y avait du monde derrière tout ça! Ah oui, et puis il y a du gros connard là. Mais non, mais s'il prend le petit quoi. Loupé. Hey, commence à me les briser là. Ta tête, j'en fais un dessert. Oh putain la vache, j'avais oublié qu'il explosait même. Putain, c'est qu'il m'a fait mal en plus hein le bâtard quand même. Il m'a quand même enlevé une barre de vie hein. C'est pas rien. Les délicieuses âmes dont je me délecte allègrement. Je devrais pouvoir l'allumer là. Voilà. Ah, puis en plus, ça me libère un coffre, dis donc. Si c'est pas parfait tout ça, tu es là comme quoi j'ai pas fait tout ça pour rien. Je vais aller le récupérer avant de continuer à avancer. C'est bon ça. Je me souvenais même pas qu'il y avait un truc comme ça. Puis ça m'a l'air pas mal. Soif de sang. Cette amélioration vole la vie des adversaires en combat et soigne guerre en même temps. Parce que ça, c'est craqué. C'est pas là-dedans. Et je vais la foutre sur l'épée. Sur la dévoreuse de chaos. Enfin, c'est pas dévoreuse au final, c'est dévoreur. Et en plus, elle est verte, yeah! Tellement classe. Tellement con aussi. C'est complètement illogique, ça. C'est illogique, j'ai dit illogique! Bah, soif de sang et le truc, il est vert. Moi, je m'attendais plus qu'à ce que ce soit rouge. Oh, l'enculé de sa mère! Comment je l'ai pas vu venir? Ok. Là. Je vais juste faire un truc par contre dans les options. Sensibilité, voilà. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Parce que la caméra, vu le temps que je mets à pouvoir la faire tourner autour du personnage, c'est juste insupportable. Ouais. Pas forcément mieux. Toujours ça de prix. Ok. Du coup. Non, c'était pas celle-là. Je suis déçu. Oh bah tiens. Ah, vous pouvez voir ma vie qui remonte. C'est plaisir. Oh la vache, il va me cracher à la gueule. Oh putain. Bouffe-toi ça, enculé.
Absorbeur de chaos exalté. Et j'ai repris encore un niveau avec le, avec l'épée, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouvre-toi ça, fils de chien. Barre-toi de là. D'où tu crois faire quelque chose contre moi? Je suis la mort et la destruction. Oh pardon, c'était du plagiat ouvert. J'en ai rien à foutre. Parce qu'il va exploser. Voilà. C'est bon. Le truc qui est con, il n'y a pas moyen de recentrer la caméra, ça. Ça m'aiderait tellement. Du coup, je suis déjà niveau 3 avec l'absorbeur du chaos. On va pouvoir acheter des combos qui ont de la gueule. Ça fait plaisir. Oula. Cinématique. C'était sûr. Bonjour. Merde, j'ai plus de... Ah, putain. Je voulais faire... je voulais me la péter et tout en mode avec le... mon attaque... Ramenez-vous. De la santé. Ouais, du coup, je voulais faire mon attaque de Kourou, mais vu que j'avais pas assez de Kourou, bah. Ah putain, j'ai un truc de. Ouais, je vais pas l'utiliser maintenant, ça débile. Autant la garder quand on en a vraiment besoin. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Parfait. Oui, parfait. Vous avez dit parfait. Et là, il y a quoi là-bas? Il n'y a rien du tout en fait. C'est juste une zone neutre. Je vais quand même ouvrir cette porte. Je suis déjà allé ici. Où est-ce que ça mène, ça? C'est là d'où je viens, ça, ou... Ah non, je suis jamais venu, là. Je suis un peu paumé, tout se ressemble ici, aussi. Ouais. Si, je suis carrément venu ici. Si, c'est là où il y avait l'artefact. Ouais, ok. J'avais un doute, c'est bon. Alors, comment ça se fait que je suis pas... Celui-ci, ça me dit rien du tout, en fait. Je suis jamais venu de ce côté-là. Bizarre. Bref, t'en fous. Bien le bonjour, l'ami! Me voici, moi, guerre, pour te tuer! Aïe! Ça fait mal. De la santé. On va peut-être dû attendre en fait avant d'utiliser. Je voudrais juste aller récupérer ça si c'est pas trop vous demander. Voilà. C'est toi qui vas mourir en premier, maudit chien. Non mais d'où il me bloque?
T'avais pas vu venir celle-là, enculé, hein? Voilà! Oh, les gars, ils font mal, putain! Hey, tu vas te détendre tout de suite, mon gaillard! Putain, comment j'ai touché personne? Et tu meurs. Voilà. Oh putain, il y en a encore en plus. Ah tiens. D'ailleurs, d'accord, pourquoi pas. Oui, je sais, j'aurais pu le buter. Pas grave. Voilà, comme ça je gagne plus d'âme en plus. Calme-toi. Oh putain, mais ça vous fait chier que je me serve sans aucun problème. Aïe, aïe. Aïe, mais ceux qui vont me buter en plus. Oh putain! Non, je fais de la merde, je fais de la merde, je fais de la merde, je fais de la merde. Concentre-toi un peu, Nécros. Putain! Voilà! Ils vont me buter, je pense qu'ils vont avoir ma peau. Non. Allez. Oh putain. Voilà. Fouh. C'était tendu. C'est bon. Ah mais la pièce était carrément descendue en fait, j'avais même pas remarqué. Bon là par contre je suis un peu dans la merde. Je suis un petit peu dans la merde. Il va vite me falloir un coffre de santé ou quelque chose. Ah mais du coup oui c'est pour ça. Je peux revenir par là non? Où est-ce que ça mène tout ce bordel? Je comprends pas où je suis. Ah mais la porte elle est pas notée sur la carte en fait, c'est ça le problème. Là, tac 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 tac, ok. Il est où l'objectif? C'est là. Ouais, donc c'est au niveau. Non, je vais rester là alors. Je vais juste prendre le chemin inverse. Et ça devrait bien se passer. Si je fais pas trop de merde en chemin. Bah, j'ai juste à revenir là en fait. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Non. C'était pas par là. Fallait que je fasse le tour. Désolé, je me perds un petit peu. C'est pas bien grave. Par où je passe? Par là.
Si, oui, c'est ça. Faut que je fasse tout le tour. Ça se trouve, j'ai perdu un temps fou à faire tout ce chemin, mais bon. Tac, 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 voilà. Voilà, je vais aller récupérer le coffre de santé qui est juste de l'autre côté. Histoire de pas me faire baiser si jamais... si jamais il y a de la saloperie qui réplique. Tac, vous voyez que j'avais bien fait de le garder de côté celui-là. Et voilà. Et on active le dernier bordel. C'était pas prévu au programme tout ça. Eh ben mon salaud, ça c'est du mécanisme qu'a de la gueule. Oh, eh ben voilà. Et bah sur ce, chers amis, on s'arrête ici pour cet épisode numéro 7. Ouais, ça doit être ça. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite, pour l'épisode 8. Ciao ciao, et surtout portez-vous bien. Bye bye.